De retour sur le plateau, nous sommes toujours en compagnie de M. Émile Ébrotier, premier secrétaire permanent adjoint et porte-parole de la Commission électorale indépendante. Avec lui, nous parlons de transparence, organisation et sécurité du processus électoral. Alors, impossible pour nous de vous recevoir sans parler des cas de Blé Goudé. Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, on sait tous qu'ils sont tous les trois radiés de la liste électorale. Une situation qui déplaît à leurs partisans. Que pensez-vous de ceux qui estiment qu'au nom de la réconciliation et de la cohésion nationale, il faut bel et bien les réintégrer? Alors, je aurais été tenté de vous dire que je n'ai pas de réponse à votre question. Mais par courtoisie, je vais m'y atteler. Par courtoisie également pour les téléspectateurs. Voilà. Parce que la question que vous posez, elle devait être posée à ceux qui ont donné à la commission électorale une liste sur laquelle se trouvent les noms des personnalités que vous avez. Justement, qu'est-ce que c'est parce qu'à chaque révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante adresse un courrier au ministre de la Justice à l'effet d'avoir la liste des personnes qui ont perdu leurs droits. D'accord. Et c'est cette liste-là, au vu de cette liste, et comme nous nous abreuvons à notre Bible, qui est le code électoral, qui nous prescrit à l'article 4 ceux qui ne sont pas éligibles, l'article 4, comme l'article 3 dit ceux qui sont, peuvent être électeurs, et puis est pour sur la liste électorale et autres qui peuvent être électeurs que à l'article 5. Okay. Donc, autant d'autres sites déversés. Nous nous citons les articles du code électoral. Et c'est ce qui prévaut. Et nous ne faisons qu'appliquer. Et je vous dis que quand le ministre nous envoie la liste, il ne nous envoie pas la liste des trois personnalités que vous avez citées. Il y a bien d'autres personnes. Et qui, eux aussi, pourraient venir demander à la CEI de les réintégrer au nom de la réconciliation. La réconciliation ne se limite pas à trois personnes, à tous les Ivoiriens. Non, après, ce sont des leaders politiques majeurs du pays. On ne va pas faire comme s'ils n'existaient pas aussi. Même je vous le conseille, mais je vous dis que tout électeur a une voix. Chez moi, quelle que soit votre position, quand vous votez, vous avez une voix. Voilà qui est clair. Quelle est la stratégie de la CEI pour gérer les conflits potentiels avant, pendant et après les élections à venir? Mais d'ailleurs, nous avons commencé cette campagne de sensibilisation. D'accord. Et je profite en même temps pour vous dire que nous allons, à partir du 22 jusqu'au 2 août, procéder à l'installation des commissions locales. Du 22 juillet au 2 août 2024. Voilà, nous allons installer les commissions locales. Et par la suite, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, nous allons installer les commissions de représentation diplomatique à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais pendant cette période-là, nous sensibilisons les électeurs et la population dans son ensemble, dans son entièreté, à ce que ils comprennent que la commission électorale ne fait que compter. Et que la commission électorale et aucun commissaire d'ailleurs n'a le pouvoir de faire changer les résultats. Alors justement, et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons 11 000 lieux de vote, je crois 22 000 bureaux de vote. Mais dans chaque bureau de vote, chaque candidat a deux représentants. Il y a un candidat principal, un représentant qui est là. Et quand ce représentant-là a des besoins naturels pressants, le suppléant prend sa place. Ce que vous dites est intéressant. Non, je finis, allez-y. Permettez. Et quand on a fini le vote, on finit le dépouillement, un PV est remis à chaque représentant des candidats. Et si du bureau de vote, on va à la commission sous-préfectorale, on va à la commission départementale, à la commission régionale. Et c'est par la suite que ces documents, tout cela parvient à la commission centrale et le porte-parole est autorisé à donner les résultats. Donc, c'est pour vous dire que à toutes ces étapes-là, les représentants des candidats ont la possibilité. Et mieux, même quand les résultats sont donnés, il y a le contentieux.
S'il s'avère que le résultat donné par la commission n'agrée pas le candidat, il peut saisir, quand il s'agit d'une élection parlementaire, le Conseil constitutionnel, et quand il s'agit d'une élection régionale et autres, saisir le Conseil d'État. C'est bien que vous abordiez la question du contentieux, parce qu'effectivement, dans plusieurs zones, pendant des élections en Côte d'Ivoire, on a pu constater qu'il y a des fraudes dans le processus électoral, au point de vue, au niveau de transparence. Mais il n'y a pas meilleure assurance que quand vous avez un représentant dans le bureau de vote et qui participe au dépouillement. Mais il y a ce qu'on appelle la sincérité du vote. D'accord. Mais attendez, quand dans une circonscription, il y a deux urnes qui ont été cassées, c'est vrai, c'est déplorable. Mais la sécurité aussi ne compte pas. La commission électorale n'est pas responsable de la sécurité. Mmh. Il y a des structures en Côte d'Ivoire qui sont chargées de la sécurité de tous les citoyens et dans le cas d'espèce, pour sécuriser les lieux de vote. Ils le font très bien d'ailleurs. Alors, quand on donne le résultat, je vous donne un petit exemple. Si vous êtes candidat et que vous avez gagné de 100 voix, et que la CEI dit que vous avez gagné de 100 voix, et que moi je vous conteste ce droit-là de 100 voix, parce que il y a eu un bureau de vote où deux urnes qui ont été cassées. Et dans ce bureau de vote, on se rend compte qu'il y a 80 inscrits. J'avais dit que même si on vous accorde les 80 qui ont été cassés, qu'on m'accorde, je ne vais jamais gagner. En effet. Donc ça ne peut pas affecter la sincérité du vote. Donc ce n'est pas parce que forcément il y a eu des urnes qui ont été cassées qu'on doit forcément changer. Et même si d'aventure vous contestez, je vous dis que vous avez les voies de recours. Nous dirons allègrement vers la fin de cette émission. On sait très bien que le processus électoral connaît le soutien des organisations internationales et régionales pour renforcer la transparence. Comment s'opère la collaboration entre la CEI et ses différentes institutions? Mais vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays souverain et que la Côte d'Ivoire a les moyens d'organiser les élections. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Mais il est bien entendu que nous sommes un pays ouvert. Et c'est pour cela que nous acceptons des observateurs, les ambassades accréditées en Côte d'Ivoire à chaque élection nous font des demandes et puis on leur accorde un agrément et ils observent les élections. Donc vraiment tout se passe très bien. Moi jusqu'à présent, toutes les élections que nous avons organisées, je ne crois pas que la communauté internationale ait eu à retoquer la commission électorale indépendante. D'accord. Quelles promesses faites-vous à l'ensemble des Ivoiriens concernant les élections à venir? Alors, je voudrais demander à mes concitoyens de faire confiance à la commission électorale indépendante. Nous avons notre bréviaire, qui est notre chronogramme, et nous avons notre boussole qui est le code électoral. Tout acte qui est posé, et justement en présence de tous les représentants qui ont été proposés par toute la classe politique et même la société civile, comme nous trouvons, nous nous appuyons uniquement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Principalement sur le code électoral. Tant que on se réfère à ce qui a été écrit dans le code électoral, en principe, il ne doit pas avoir de crise post-électorale. Je dis toujours souvent, quand parfois ce qui ressort du divin ne nous divise pas, il ne faut pas que ce qui est des hommes nous divise. On peut être chrétien, on peut avoir un frère chrétien, un frère musulman, on ne s'entretue pas. Et ce n'est pas parce que des humains comme nous ont une vision, une approche des choses que nous allons nous entretuer pour des humains qui sont des mortels comme nous. Merci à M. Émile Ebroutier. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire permanent de la commission électorale indépendante, mais également le porte-parole de cette institution. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci de rester sur cette info et sur cetteinfo.ci.